Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans une toute nouvelle recette. Et là aujourd'hui je vais faire une recette qui n'a pas été encore faite sur YouTube. C'est la tarte au citron de Geoffrey Cagne. J'ai modifié quelques-unes de ses préparations. Voilà, la ganache, il l'a fait au yuzu, moi je l'ai fait au basilic. Et voilà, donc je suis super content de vous la faire aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'ingrédients, il y a pas mal d'étapes, mais si vous écoutez bien ce qui se passe, bah, vous réussirez sans problème. Alors on va commencer par faire le confit citron. Alors pour faire ce confit citron vert, il faudra juste du jus de citron vert, du sucre et de la pectine. Mélangez la pectine dans le sucre, on va ajouter le jus de citron dans notre casserole et on fait chauffer à feu doux. Alors voilà, quand le jus de citron commence à bouillir, on va tout de suite ajouter notre mélange sucre et pectine. On mélange très vite pour éviter les grumeaux. Et voilà, et là on va laisser bouillir pendant environ une minute. Donc voilà, on retire la casserole et quand notre mélange a bien bouilli, on peut le verser dans un bol pour qu'il refroidisse. Et il faut qu'il soit bien froid après pour pouvoir l'étaler sur notre tarte. Alors en avant, j'ai haché du basilic, puis je l'ai ajouté à ma crème pour laisser infuser à froid. Je l'ai laissé environ une nuit entière et voilà, pour vraiment avoir tous les arômes du basilic. Ensuite, je l'ai passé au chinois. Et ce qui nous donne notre crème parfumée au basilic. Voilà, donc ensuite, au bain-marie, je vais faire chauffer mon chocolat. Je vais le faire fondre très légèrement. Alors ensuite, on met la moitié de la crème à chauffer. Alors là, il n'y a pas besoin de la faire bouillir, il faut juste la chauffer légèrement. On peut l'ajouter en 3 fois dans notre chocolat blanc. Et là, on va réaliser une émulsion. Et voilà, lorsqu'on a un noyau élastique et brillant, on peut ajouter l'autre moitié de crème froide en une seule fois. Et voilà, notre ganache au basilic est prête. On peut la laisser refroidir, c'est très important. Il faut la laisser refroidir pour pouvoir la monter ensuite au fouet. Alors voilà, notre ganache au basilic est montée. Super bonne, super parfumée. Ensuite, nous allons prendre un cercle un peu plus petit que votre tarte et on va mettre un film transparent. Bien tendu, c'est important. Et donc là, on va pocher les petites boules comme sur le dessus de la tarte de Geoffrey Cagne. Nous allons maintenant réaliser notre appareil au citron. Donc on casse 2 œufs dans une casserole. Alors ensuite, avec nos œufs, nous allons ajouter le sucre. Ensuite, on ajoute notre jus de citron. Et le zeste de 2 citrons. Alors voilà, quand on a bien zesté nos citrons, on remélange un petit coup. Alors là, on va porter le mélange à 83 degrés, sur feu doux, c'est très important, et sans arrêter de mélanger. Voilà, notre mélange à 83 degrés, on va le débarrasser dans un bol. Alors quand notre mélange est bien lisse, on va ajouter notre beurre. Juste ça là, à la cuillère, c'est une tuerie. Alors voilà, j'ai foncé une tarte et je l'ai cuit à 160 degrés pendant environ 25 minutes. Donc vous aurez une recette samedi prochain qui sortira, ne vous inquiétez pas. Mais si vous voulez, en attendant, il y a les ingrédients en description pour faire une pâte à tarte comme celle-ci. Et donc là, rien de plus simple, on a juste à mettre le confit de citron sur le fond de notre tarte. Ensuite, on va hacher le basilic. Alors ensuite, quand notre basilic est bien mis, on peut ajouter notre appareil. Alors voilà, notre ganache est bien congelée, comme vous pouvez le voir. Donc on va maintenant la démouler, alors très délicatement bien sûr. Et là, on va la poser sur notre tarte. Alors je galère un peu. Donc voilà, ce que je vous conseille, c'est vraiment
que votre ganache soit bien congelée. Ensuite, c'est facultatif, mais on peut passer un peu de beurre de cacao. Alors ensuite, sur la tarte, on peut ajouter un peu de nappage neutre dans un cornet avec un peu de graines de vanille dedans. Ça donnera un aspect très frais. Puis pour finir, on ajoute quelques zestes de citron vert. Ça ramène vraiment un côté fraîcheur qui se ressent même à la dégustation. Et voilà, donc notre tarte au citron est terminée. Voilà. À mon avis, elle va être très très bonne. Je vous conseille vivement de la tester. C'est une tuerie. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire, à lâcher un like. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao !